voir début de vlog. Et là, je sais que je suis pas full. Hey, comme d'habitude, mais c'est parce que. Je pense que je vais aller m'acheter un nouveau MacBook là, là. Parce que le mien il est tout buggé. J'étais en plein vlogmas, je peux comme. Ça marche pas. Ça, y a rien qui marche là. Ça fait longtemps que j'hésite à le changer. Puis là, ça tombe juste vraiment dans le mauvais timing. Parce que comme c'est le temps des fêtes, il y a plein de dépenses et tout. Mais c'est parce que là je capote là, je peux plus comme plus rien faire, je peux plus faire de montage. Y a rien qui marche, ça dit que j'ai plus de place mais j'ai encore de la place, je viens de supprimer d'ailleurs pour me faire de la place sans faire exprès, j'ai tout supprimé. Final Cut Pro complet genre, tout mon contenu. Genre j'ai plus rien sur Final Cut Pro. Fait que là je capote, je peux plus rien importer sur Final Cut Pro, ça bug, fait comme regarde, je suis tannée. Je vais aller m'acheter un MacBook Pro, ça va être réglé. Parce que là là, je n'ai ma claque vraiment. Ben en fait je vais aller m'informer. Puis je vais le prendre par mois je pense. En tout cas. Fait que je vous amène avec moi. Ouais, c'est ça. Bon matin. Bon, j'espère que ça va le faire. Oh my god, je viens de m'acheter le nouveau MacBook Pro la gang. Le nouveau là. Le nouveau nouveau avec la puce M1, je sais pas trop quoi là. Coup de tête du matin. Mais au moins, là, je vais être tranquille pour faire mes vidéos. Ça va mieux aller, vraiment beaucoup. Je vais donner mon MacBook à ma mère. Elle fait du Facebook puis tout. Fait. Il buggera pas pour elle, là. Ça va être en masse. Je m'en vais le chercher tantôt. Ils vont m'appeler quand il va être prêt. Fait que je suis pas énervée. On dirait que je réalise pas que je viens de faire ça. Ouais. Rip mon portefeuille, mais c'est pas grave. Je vous redonne des nouvelles. Oh, il est rendu... Là, je suis excitée, là. Il est rendu 13h44. Ils m'ont pas encore appelé pour aller chercher mon MacBook. Mais là, je viens de tout finir de mettre les petites étiquettes sur les foulards. Fait qu'ils sont toutes mis. Il reste juste à faire la couture de finition vraiment puis à placer les boutons pression. Après ça, c'est terminé. Je vais pouvoir m'attaquer aux autres commandes de Noël parce que j'ai fait une partie, là, mais c'est pas tout. Mais c'est ça, là, pour le moment, là. Puis genre, je trippe tellement... sur ce tissu-là là, de pain d'épices. Je vais vous montrer avec le petit étiquette. C'est trop mignon! Fait que, ouais. Aussi, mon autre préféré, genre, je vais clairement faire un foulard à Milo avec ça. Attendez, je vais vous montrer si je peux le trouver. Mon autre tissu préféré, c'est vraiment lui! Avec les petites voitures. Oh, je l'aime full! Fait que, c'est ça, j'ai hâte de tout clencher mes commandes de Noël. Puis après ça, je vais en faire à mon bébé Milo quand tout va être fini. Fait que c'est ça, là, je suis encore en attente que Best Buy m'appelle pour que je puisse aller chercher mon nouveau MacBook. Je suis trop contente. Hello, il est pas mal plus tard. Il s'est passé plein de péripéties, mais j'ai mon bébé, mon nouveau MacBook. Je suis tellement contente. Sauf que là, en arrivant, j'avais complètement oublié que le nouveau MacBook, il n'y avait pas de prise USB. Puis moi, ben ma caméra pour importer mes fichiers, ben c'est USB. Fait que là, j'arrive de chez... Walmart, là, je suis allée m'en acheter un. Je peux retourner chez Best Buy une troisième fois dans la journée. Là. Il y a toujours bien des limites. C'était loin en plus. Puis là, Walmart, c'était à côté de chez moi. Fait que là, oh mon Mac est tellement beau. Ça, c'est mon ancien. Ça c'est mon ancien. Puis lui, il est plus foncé. J'aime bien. Puis j'ai la touch bar. Puis tout, je vais vous montrer. Comme j'ai la touch bar, là, va falloir que j'apprenne comment ça marche. Là. Va falloir que j'apprenne comment ça marche. Mais c'est ça, j'ai la touch bar. Oh, comme là. Non. En tout cas, c'est ça. Fait que, ouais! Je suis bien contente. Puis là, entre-temps, j'ai reçu un colis de Nouda. En plus, ça a vraiment été vite. Ils m'ont parlé hier pour m'envoyer leur auto-bronzant. Leur eau auto-bronzante au melon d'eau. Puis je l'ai déjà reçu. Je l'ai reçu il y a vraiment pas long. Là. Ça fait peut-être 30 minutes. Mais elle sent vraiment bonne. Ouais. Fait que, en plus, ce qui est fun... il conseille de s'exfolier 24 heures avant l'application, bien évidemment. De spray partout sur le visage. D'attendre environ 6 heures pour révéler comme la vraie couleur. Il est vegan. Sans cruauté envers les animaux. Des ingrédients faits à 90% naturel. Il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes. Il sent le melon d'eau. Il y a de l'aloe vera. Il y a de l'extrait de cocombe, de rose, puis de camomille, de thé blanc.
de vitamines A, C et E. Fait que c'est vraiment cool. J'ai vraiment trop hâte de l'essayer là. C'est cute leur petit package. Ils m'avaient envoyé ça. Puis comme je vous dis, ça arrive vraiment vite. L'enveloppe est trop belle. Excusez-moi, mon chum, il est en vaisselle en arrière. Fait que c'est ça que vous allez entendre. Je vais essayer de me l'appliquer tantôt. Ou comme avant de me coucher ce soir. Puis on verra le résultat demain. Fait que voilà. Je vais vous parler pas mal plus tard. Là, j'ai fait de la couture. J'ai publié un vlogmas en ligne. Mon ordi va tellement bien. Je capote. Genre, l'exporter de Final Cut Pro à YouTube, ça l'a pris 5 minutes. Genre, avant, ça prenait 40 minutes, no joke. Je bosse. Je bosse vraiment. C'est vraiment parce que, dans le fond, j'ai pris le MacBook Pro. Le nouveau, avec la puce M1, je crois. En tout cas, ça accélère vraiment. Wow! C'est ça, comme je disais, ça accélère vraiment, je pense, tout le processus, là, le logiciel, etc. Puis ça a vraiment paru, il est tellement rapide, je capote. Fait que je suis très contente de mon achat. Je suis en train de m'habituer à la touch bar, là, j'ai vraiment hâte. Puis là, je suis en train de finir toutes les coutures de finition, comme ça. Puis il va me rester les boutons à mettre, puis faire les autres commandes. Là, il est rendu quelle heure? Il est 23h04 déjà. Je me prends des grands verres d'eau froide. Voilà. De l'eau. J'adore. Je sais qu'il y en a qui aiment pas l'eau, là, mais moi, j'aime tellement ça, mais il faut qu'elle soit glacée. Genre, je casse. Des fois, je me mets une bouteille d'eau dans le congélateur, puis je la casse pour que ça fasse de la glace, puis je mange la glace. Genre, dites-moi que je suis pas la seule. De l'eau, j'adore, mais il faut vraiment qu'elle soit froide, sinon, je déteste. Fait que c'est ça, je vais continuer à faire un petit peu de couture. Puis quand je vais mettre les premiers boutons pression, je vais vous montrer le résultat final des foulards de Noël. Je suis trop contente. Je suis trop excitée. Fait que, à tantôt, la gang. Mais capote, j'ai tout fini la première batch de commandes. Genre, il me reste juste à mettre les boutons pression. Genre, tout est fini. Genre, je pourrais faire une pluie de foulards. Il y en a au-dessus de 30, je pense, que j'ai fait, puis il m'en manque presque la moitié encore de commandes. Fait que là, je vais prendre ça relax ce soir. Je vais tout finir demain pour pouvoir shipper ça demain en fin de journée. Ça va être parfait, je pense que tout va arriver dans le temps. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, je m'en... Voyons, le focus, allô, bonsoir! Là, c'est ça, j'ai fait des petites vidéos sur YouTube, puis je pense que je vais aller finir le montage du swap, parce que c'est le vidéo qui va être en ligne. Ben, pour vous, c'est pas demain, là, mais pour moi, c'est demain. Demain, je poste pas le vlogmas, on poste le swap avec Jade, fait que j'ai bien hâte, j'ai hâte de voir vos réactions et tout. Ah, oh, c'est moi qui clique sur le côté avec mon doigt! Oh mon Dieu, je viens d'allumer! Je suis tellement noire, oh là là. Je disais avant que ma caméra coupe parce que j'avais plus de place, c'est que ça a été une grosse journée que je m'attendais pas du tout. Genre, je m'attendais vraiment pas à aller m'acheter un nouveau MacBook aujourd'hui. Je dirais que c'est un coup de tête, mais pas en même temps. C'est un coup de tête aujourd'hui, mais ça fait longtemps que j'y pense. Sauf que c'était vraiment pas prévu pour cette période-là. C'était prévu pour l'automne prochain que j'allais changer mon MacBook. Sauf que là... un matin, j'ai juste pogné les nerfs parce que j'ai tout supprimé sur Final Cut Pro. J'avais jamais de la place. J'avais tout supprimé les Sims. Je m'avais acheté les Sims puis je pouvais même plus jouer. Parce que j'avais juste plus de place sur mon MacBook. Puis pourtant, j'ai un disque dur externe où je stocke la plupart des trucs. Mais tu sais, quand tu fais du montage vidéo, tu peux pas stocker tes trucs en même temps de faire du montage. Faut que tu les importes sur ton ordi. Puis même ça, j'avais plus de place. Fait que genre, je capotais. J'ai juste fait « Ok, gars. Je m'en vais m'acheter un MacBook. » Ça a pris 10 minutes, je me suis dit « Go! » Je me suis levée, j'ai vu qu'il n'y a plus rien qui marchait sur mon Mac, je me suis dit « Go! Let's go! » Fait que, désolé, mon chum il parle à ses amis en gaming, là. De toute façon, vous commencez à être habitués, j'imagine. Fait que, ouais, c'est ça! Et puis je commence à prendre habitude à vlogger chaque jour. Vous me direz si vous voulez que je fasse ça plus souvent. Tu sais, je pourrais peut-être... je sais pas, mettre vraiment plus de vlogs. Si jamais vous aimez ça, ben vous avez l'air à quand même aimer ça. Parce que j'ai vraiment des beaux commentaires en passant. Merci beaucoup, genre en dessous de mes vidéos. Puis même sur Instagram, vous êtes beaucoup à me dire que vous écoutez mon vlogmas, puis à me taguer. Ça me fait vraiment plaisir, pour vrai. Ça me fait vraiment chaud au cœur, pour vrai. Merci beaucoup. Fait que c'est ça, vous me le direz si jamais vous voulez que je vlog, que je fasse plus de daily vlogs. J'aime ça. J'aime ça. Puis comme je prends le beat assez facilement, étonnamment. Fait que voilà. Je dis ça, je dis rien. Excusez-moi mon air de cul, mais là, je m'apprête à essayer l'auto-bronzant de Nuda pour quand je vais me réveiller demain matin. Je vais être bronzée! Ben, j'espère. Donc, j'ai arrangé un petit setup pour que vous puissiez voir. Puis, inquiétez-vous pas, il y a vraiment ma routine de soins qui s'en vient bientôt dans le vlogmas.
Dès que, comme je vais avoir un petit peu moins de contenu à vous dire une journée, là, ben je vais insérer ma routine de soins. Là, je viens de m'exfolier le visage. Là, oh, Milo veut rentrer. Tu veux rentrer, mon cœur? Oui, viens. Ok. Je vais juste regarder si je suis pas allergique. Non, il n'y a aucun gluten là-dedans. Bon, ok, là, je crois que, vu que j'ai vraiment la peau sèche, je vais comme appliquer juste ma lotion. Parce que normalement, quand tu appliques une lotion, après ça, les produits absorbent mieux après. Fait que je vais appliquer ma lotion. Bon, ok, là, ça dit de bien l'agiter. La bouteille est tellement belle, pour vrai, là. Je suis stressée. Oh my god, ok. J'ai hâte de sentir, ça sent le melon d'eau, ça a l'air. Je sais vraiment pas si je l'ai trop mis. Mmh! Pardon! Ça sent tellement le melon d'eau, là. Oh! Wow, j'adore. J'adore. Fait que ça, c'est ma peau ce soir. Puis j'ai hâte de voir demain ce que ça va donner. Je vais vous le montrer dans le vlog. Fait que voilà, voilà. Vous allez voir demain le résultat. J'ai hâte, j'ai hâte. En tout cas, ma première impression, là, je viens de m'en mettre sur le décolleté, là. C'est pour ça que... Mais il est vraiment pas collant. Ma peau, genre, je sens pas comme si je venais de me mettre l'auto-bronzant, là. Je me sens bien. Fait que... Pour le moment, j'aime. Ça reste à voir si... Mais je pense que je vais l'aimer. J'espère juste que vu qu'il est parfumé, il me fera pas de boutons. J'espère, fortement. Je vais vous donner des nouvelles de ça, non? Fait que vous allez suivre le processus avec moi. Ouais, fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Bon, je sais pas si vous remarquez, mais ça fait 5 minutes que je l'ai appliqué, puis on dirait déjà que je suis un peu plus bronzée. On dirait déjà que j'ai juste un tout petit teint qui commence. Fait que j'imagine que ça y va graduellement, là, tu sais, sur le coup, je viens de l'appliquer, fait que ça commence à faire effet, puis ça va y aller en montant. Mais on dirait vraiment que je commence déjà. Puis j'aime pas ça. Fait que... Ouais! Je suis trop excitée. Bon, fait que je crois que je vais conclure le vlog ici. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai vlogué de quoi d'intéressant aujourd'hui. Mais c'est ça, là, il est comme rendu 1h30 du matin. Je finis tout le temps les vlogs à cette heure-là. Puis j'ai comme un peu mal à la tête puis au cou, là. Je sais pas pourquoi. Puis on écoute des TikTok de chiens. Fait que je vais arrêter le vlog ici. J'ai fait un petit peu de montage. Puis j'ai fini de monter le swap. Fait qu'il va être en ligne demain. Ben, non, vous l'avez déjà vu. Mais pour moi, c'est en ligne demain, comme je vous disais tantôt. Fait que voilà, on se revoit pour le vlogmas de demain. Puis en attendant, ben prenez soin de vous!